Et ça y est, Sony a tenu une nouvelle conférence pour sa PlayStation 5. Alors il y en avait déjà une il y a plusieurs mois, mais celle-ci était particulièrement attendue. Faut dire qu'on attendait du gameplay, mais surtout un prix et une date. Eh bien ça y est, on a eu tout ça, donc je vous résume absolument tout ici, et sachez que d'autres vidéos arriveront très prochainement sur la chaîne pour m'attarder sur certains sujets. Sony n'a pas perdu de temps et a ouvert sur l'annonce d'un jeu qui faisait l'objet de nombreuses rumeurs ces derniers jours. Et oui, Final Fantasy XVI a bien été dévoilé avec un long trailer qui nous permet d'admirer l'univers de ce nouvel épisode. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cet opus prend un parti bien différent des derniers épisodes, avec un aspect médiéval bien plus prononcé. On garde tout de même une bonne dose d'action avec des combats très rythmés et un protagoniste qui semble avoir des pouvoirs plus ou moins similaires à ceux de Noctis pour ce qui est de ses déplacements très rapides. Cependant, le titre n'est pas prêt de sortir, puisque Naoki Yoshida et Hiroshi Takai, producteurs et directeurs respectifs du jeu, nous promettent des nouvelles pas avant 2021. On sait en revanche que ce sera une exclusivité temporaire de minimum 6 mois sur PlayStation 5, ce qui veut dire qu'il arrivera sur PC une fois cette période terminée. Et c'est aussi une exclusivité console temporaire d'un an, comme Final Fantasy VII Remake, donc ça pourrait arriver sur d'autres supports après, comme la Xbox. Spider-Man Miles Morales a ensuite présenté une longue séquence de gameplay, ce qui nous a permis de voir les pouvoirs uniques du personnage et une séquence d'action qui allait à un rythme effréné. On a ici la confirmation qu'il sera bel et bien un titre de lancement pour la PlayStation 5, mais aussi qu'il sera disponible sur PlayStation 4, un bundle avec le jeu Spider-Man qui est déjà sorti, a lui aussi été annoncé dans la foulée. Mais l'une des autres grosses surprises de cette conférence, c'était l'officialisation du RPG Harry Potter. Appelé Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, il va s'agir d'un action RPG en monde ouvert qui va se dérouler durant la fin des années 1800. On y incarnera un étudiant de Poudlard qui va devoir suivre des cours, apprendre de nouveaux sorts, mais aussi combattre des créatures célèbres du monde d'Harry Potter tout en découvrant de nouveaux lieux. Sortie prévue en 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series XS. Le rythme s'est ensuite un petit peu calmé au niveau des annonces avec Call of Duty Black Ops Cold War qui a présenté un petit peu de gameplay inédit sur PlayStation 5, Resident Evil Village qui a dévoilé un nouveau trailer en nous présentant une nouvelle fois Chris, puis Deathloop qui a montré du gameplay, toujours sur une PlayStation 5. Et puis, même si on ne l'attendait pas forcément, Devil May Cry 5 a annoncé une version nouvelle génération. Cette édition spéciale apportera du ray tracing, des améliorations visuelles, mais permettra aussi de jouer Virgil dans une toute nouvelle histoire. Ce sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series XS dès le lancement des consoles. Pour les joueurs qui l'ont déjà sur PC, PlayStation 4 ou Xbox One, un DLC payant sera proposé plus tard avec ce nouveau contenu. A noter qu'on peut aussi préciser qu'il y aura deux modes, donc un plutôt axé sur les performances et l'affichage 4K, un autre plutôt sur les FPS et qui a aussi l'ajout d'un mode turbo. On a ensuite eu quelques rapides images pour les futurs jeux Oddworld et Five Nights at Freddy's avant de passer à du gameplay pour le remake de Demon's Souls. Forcément, on y voit un sacré travail de refonte derrière avec une véritable avancée visuelle tout en gardant l'esprit du jeu. D'ailleurs, surprise, il fera partie des titres de lancement de la PlayStation 5. On a ensuite eu l'annonce du programme PlayStation Plus Collection, un service qui va regrouper les jeux majeurs de la génération PS4 comme God of War, Persona 5 ou encore Uncharted 4, donc en gros quasiment tous les jeux de la gamme PlayStation Hits, et qui permettra de télécharger ces titres dans leur version PlayStation 4. Donc une sorte de catalogue accessible avec une vingtaine de jeux au lancement de la PlayStation 5 qui va évoluer avec le temps et qui va varier en fonction du pays. Mais voilà, la conférence s'est terminée par une annonce de taille que l'on attendait tous, le prix et la date. La PlayStation 5 sera donc disponible le 19 novembre prochain en France et sortira au prix de 499€ pour la version standard avec lecteur et à 399€ pour l'édition digitale. Certains pays, notamment aux Amériques, l'auront le 12 novembre et apparemment les jeux PlayStation 5 seront plus chers que sur la génération actuelle. Mais tout ça, je vais vous en reparler dans une vidéo dédiée qui va arriver très très vite sur la chaîne où on parlera prix, précommande, accessoires, etc. etc. Et c'est tout, enfin presque, voyons, on ne va pas l'oublier, hein. Histoire de finir sur un One More Thing, Kratos a clôturé la conférence pour officialiser le prochain God of War pour 2021. Bon, c'est tout, une annonce, un logo, un message, et voilà. Quoi qu'il en soit, cette conférence était solide avec un rythme soutenu et tout ce qu'on attendait. Bon, il y a eu d'autres infos ensuite avec quelques cafouillages, mais ça, je vais en reparler dans une autre vidéo. Si jamais vous souhaitez précommander, sachez que les précommandes sont déjà ouvertes chez la plupart des revendeurs, donc si vous voulez réserver votre exemplaire, vaut mieux être vif. Rassurez-vous, je vous mets un guide de précommande dans la description avec toutes les enseignes qui vendent la PlayStation 5 et les détails sur celle-ci, mais aussi une bonne grosse FAQ sur la PS5 pour répondre à un maximum de questions. Et d'ailleurs, si vous en avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Allez, dites-moi également qu'est-ce que vous avez pensé de cette conférence, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.